Stabilisateur détecté. Anti-flash, la bête et barman. Attribut des utilisateurs. Précision, niveau 2. Force, 3. Intelligence, 4. Énergie, 2. Bonjour, amis du théâtre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un spécimen qui nous laisse sans voix. Stupéfait, abasourdi, sidéré, estomaqué et plein d'autres adjectifs que vous pourrez trouver dans notre nouvelle pièce, La Revanche des adjectifs. Je parle bien sûr de Cyclope. Cyclope. Cyclope est le deuxième méga-mutant à avoir attaqué la Résistance, après Cal Horreur. Ces créatures sont appelées Colosses. Et avec un nom comme ça, vous pouvez imaginer qu'ils n'ont pas la taille d'un chihuahua. Attribut du mutant. Cruauté niveau 3. Force 4. Intelligence 1. Mutation 3. Son armée de mutants et lui ont attaqué en pleine représentation. Si tousser pendant un spectacle est le comble de l'incorrection, que dire d'une marée de mutants envahissant la scène? C'est incroyable! Je vous promets que je n'ai jamais assisté à un tel comportement. Enfin, excepté la fois à l'opéra où ils étaient à court de petits fours, mais je m'égare. En apparence, Cyclope est le sosie de Cal Horreur. Ils sont tous les deux immenses, poilus et sont encore plus mauvais que l'éloge d'un cirque. Leur seule différence, c'est leur façon de vous regarder. Non, aucun d'eux n'a l'intention de vous faire les yeux doux. Ce que je veux dire, c'est que Cyclope n'a qu'un œil. Le combat contre Cyclope a été des plus rudes. Nous sommes des acteurs, nous ne sommes pas habitués à nous battre, à moins que cela ne figure dans le scénario, bien sûr. À un moment, il semblait prendre le dessus, et c'est là que Brutux a eu une brillante idée. Il s'est emparé du micro, a mis le volume au maximum, et a déchaîné tout son potentiel artistique sur un air d'opéra. Ou quelque chose dans le genre. C'est alors qu'on a découvert le meilleur moyen de vaincre Cyclope. Lui envoyer 10 000 décibels en plein dans sa face. On l'a terrassé! J'imagine bien qu'à ce moment-là, la pauvre créature aurait préféré avoir une seule oreille plutôt qu'un seul œil. Bref, au final, nous l'avons capturé et nos amis l'ont enfermé avec Cal Horreur. Et ils resteront enfermés jusqu'à ce qu'on trouve l'antidote qui leur redonnera leur forme humaine. Oh, comme la gloire des mutants est éphémère! Un jour, ils sont à la tête d'une armée. Le lendemain, ils partagent un pot de chambre. À bientôt, mes amis, et souvenez-vous, longue vie au théâtre!